Un an de protestation, un an d'appel au changement du système en place. Les Algériens sont descendus en masse aujourd'hui pour le 53e vendredi consécutif pour entretenir la flamme d'une contestation inédite qui aura contraint Abdelaziz Bouteflika à démissionner, mais sans réussir à changer le système au pouvoir depuis l'indépendance. Plus massive que les derniers vendredis, une foule a défilé depuis le début d'après-midi près de la Grande Poste, au cœur d'Alger, point de rassemblement emblématique depuis un an. Des barrages filtrants ont été mis en place dès hier soir aux entrées de la capitale pour compliquer l'accès des Algériens venus d'autres régions. Des marches imposantes se sont déroulées également dans les grandes villes. Et justement, pour faire le point sur ce 53e vendredi de contestation en Algérie en juin à Alger, notre correspondant Faisal Mtaoui, bonsoir. Bonsoir. Alors, les Algériens ont bouclé un an de protestation. On rappelle qu'ils revendiquent surtout le changement du système en place. Les manifestants rejettent aussi l'élection du président Abdelmadjid Tebboune à la tête du pays. Comment s'est passée d'abord cette journée? Qu'est-ce qui marque ce premier anniversaire du mouvement de contestation? Justement, les Algériens qui sont sortis aujourd'hui à Alger, mais également dans d'autres villes du pays, l'un des slogans entendus aujourd'hui dans les marches d'Alger, c'est qu'on n'est pas sorti pour fêter, mais pour faire partir le pouvoir ou le régime en place. Ils ont dit que leur revendication déjà qui a été exprimée le 19, ou plutôt le 22 février 2019, ne sont pas été satisfaites selon eux, réclamer une nouvelle république avec un véritable respect de la souveraineté populaire. Ils ont évoqué les articles 7 et 8 de la Constitution qui évoquent justement le pouvoir du peuple, et ils ont aussi demandé la libération des détenus politiques en citant et en exhibant des portraits de Karim Tabou, de Abdelwahab Persaoui et de Fodil Boumala, réclamant aussi un véritable changement politique dans le pays. Le dispositif de sécurité était présent, mais il s'est retiré dans les endroits où il y avait des rassemblements, un fort rassemblement, parce qu'il y a eu au moins des dizaines de milliers à Alger, notamment dans les principaux artères et au-delà, en dehors de la ville, malgré les barrages filtrants qui ont été organisés depuis mercredi. Beaucoup de manifestants sont venus des autres départements au Wilaya pour justement exprimer leur volonté de changer dans le pays, pour les changer politiquement à travers les marches pacifiques. Alors Faisal, vous venez de parler des militants politiques. Les manifestants dénoncent depuis des semaines les mesures répressives contre journalistes, militants et manifestants. Quelles sont les réactions à Alger? Oui, justement, ils ont, les journalistes notamment, tentent de s'organiser pour réclamer l'ouverture des médias, puisque le président Tebboune, hier, en rencontrant la presse une deuxième fois depuis son élection le 12 décembre, il a promis d'ouvrir le champ médiatique, de réformer les lois, notamment sur la presse électronique. Et les journalistes estiment que les chaînes privées, par exemple, la télévision publique, les médias publics, ne couvrent pas, en fait, le Hirak, le mouvement de contestation. Ils ont aussi réclamé la levée des contraintes sur tous les médias et aussi la libération de deux journalistes qui sont en prison, Sofiane Marakchi et Belkacem Djir, et l'opposition, notamment à travers les partis de l'Alliance de l'Alternative pour le changement démocratique, a évoqué les interdictions qui continuent de toucher les travaux ou l'action de l'opposition, en citant un rassemblement qui devait avoir lieu jeudi à Alger de certaines associations de la société civile pour proposer un contenu politique, une plateforme politique qui n'a pas été autorisée par les autorités. Et cela est donc toujours exigé. Le président Tebboune hier a parlé de la nécessité de maintenir le caractère pacifique du mouvement de contestation et en promettant des réformes politiques dans le pays. Merci beaucoup Faisal Mtaoui pour cet éclairage sur la situation en Algérie. Justement, vous étiez avec nous depuis Alger.